Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et chers amis du réseau Entreprendre, bienvenue ici à La Tria, à Belfort, avec ce programme qui se veut instructif, qui se veut festif aussi pour cette soirée des lauréats. Mais de suite, eh bien, j'invite monsieur Alain Sed, qui est le président de la CCI du territoire de Belfort, à bien vouloir venir nous retrouver pour un premier discours de bienvenue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Alain Sed. Du Conseil régional, Monsieur le Président Alain Chazal, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je suis très honoré de vous accueillir au cours de cette soirée qui célèbre le dynamisme des entreprises franc-comtoises et qui met en avant l'importance de la mise en réseau et de l'accompagnement des créateurs d'entreprises par leurs pairs. Je tiens à remercier le Président Alain Chazal pour avoir organisé cette année cette grande manifestation en l'honneur des chefs d'entreprise à Belfort, soirée qui fait suite à celle l'an dernier qui s'est déroulée dans le Jura. Vous avez été à l'occasion accueillis par mon collègue Michel Dieudonné, qui vient de passer la main il y a quelques jours à la tête de la CCI du Jura et de la CRCI. Le fait que vous donniez la parole à des présidents de CCI en introduction de votre soirée annuelle marque bien là votre volonté de travail en réseau. Les CCI sont les organes légitimes représentant l'ensemble des chefs d'entreprise d'un territoire. Elles sont pleinement dans leur rôle de participer financièrement à ce type d'action. Malgré la réforme qui impacte les CCI actuellement, avec une baisse de nos ressources de l'ordre de moins 15%, je peux vous assurer que nous continuerons à être à vos côtés, car votre travail est essentiel à l'accompagnement et au développement des entreprises. Cette réforme passe pour nous par la recherche, certes d'économie, mais aussi par la mutualisation de nos services. Cette efficacité passe pour moi, vous le savez, vers la réalisation d'une CCI de l'aire urbaine. En effet, l'action de proximité nécessite la mise en œuvre de structures consulaires adaptées au bassin d'emploi. J'y travaille et j'ai bon espoir que nous y arriverons. Mais revenons au réseau Entreprendre, car je veux sincèrement saluer ce soir le travail que vous menez tous ici, bénévolement, au sein de ce réseau. C'est grâce à votre implication humaine et financière dans cette association que les chefs d'entreprise, à l'honneur ce soir, ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé totalement gratuit. Voilà bien une valeur importante que le travail en réseau et en partenariat. C'est d'ailleurs pour moi tellement important que je l'ai rappelé lors de la séance d'installation de la CCI du territoire de Belfort. C'est aujourd'hui une de nos valeurs pour lesquels nous nous sommes tous engagés, nous, chefs d'entreprise, pour œuvrer pendant notre mandat. Je reste persuadé que cette notion de travail ensemble, de réseau, fait avancer les choses plus rapidement et permet à des chefs d'entreprise d'avoir une réponse immédiate à ces interrogations, donc de réagir efficacement. Nous le savons tous, dans ce monde, en pleine et constante évolution, je dirais même en constante mutation, le chef d'entreprise se doit être performant. Ce sont des réseaux tels que le vôtre qui le permettent, notamment en faisant que le chef d'entreprise ne se sente pas seul. Je peux vous assurer que la CCI 90 est fortement convaincue de la nécessité de faire se rencontrer les chefs d'entreprise. D'ailleurs, toutes nos actions sont menées dans ce sens. Je voudrais prendre l'exemple de la vallée de l'énergie, permettre aux entreprises d'une même filière, quelle que soit leur taille, de travailler avec un point d'horizon commun. C'est la complémentarité des compétences, des savoir-faire, des outils qui fait la richesse du tissu industriel avec un rayonnement sur l'ensemble de la société. Si la vallée de l'énergie a pu si rapidement prendre l'essor que nous constatons aujourd'hui, et de nombreux chefs d'entreprise ici présents peuvent en témoigner, c'est bien parce que dès l'origine, nous en avons fait un projet partenarial et de développement de territoire. Nous avons ainsi tenu à réunir tous les acteurs économiques afin tout d'abord de les écouter, de percevoir leurs attentes en nous efforçant d'y répondre. Il fut nécessaire de regrouper autour d'une même table les grands donneurs d'ordre tels que General Electric et Alstom, mais aussi et surtout les PME sous-traitants, les collectivités, le conseil régional, le conseil général, les communautés d'agglomération
ainsi que le monde universitaire. Je crois pouvoir dire que nous avons réussi. Belfort, je le rappelle, a la particularité unique au monde de rassembler sur un même site les deux plus grands industriels de la fabrication de matériel pour la production d'énergie. Il ne faut pas non plus oublier que vous êtes ici dans un bassin fortement marqué par le secteur de l'automobile. Et pour votre invitée ce soir, Madame Adnay, je souhaiterais souligner que dans le territoire de Belfort se trouvent aussi des entreprises leaders dans le secteur travaillant pour l'industrie des véhicules poids lourds. Nous avons la chance d'avoir un tissu de PME et PMI reconnu, de sous-traitants de qualité, d'expérience et de savoir-faire dans divers domaines industriels. Madame Adnay, ici, à la CCI du territoire de Belfort, nous sommes à votre disposition pour vous faire rencontrer de nouveaux chefs d'entreprise et des fournisseurs. La CCI est un organe qui regroupe tous les chefs d'entreprise, qu'ils sont grandes, petites, moyennes, et que je rencontre régulièrement sur le terrain. Ce sont la force vive de votre réseau en Franche-Comté. Vous êtes des chefs d'entreprise bénévoles et qui consacrez du temps à d'autres chefs d'entreprise. On ne le dira jamais assez, il faut le souligner, et je tiens pour cela à vous remercier et à vous féliciter. Bravo et merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée.